Alors, juste un test, est-ce que vous m'entendez? Merci. Bonsoir, bonsoir. Voilà, donc je vais faire un petit mot d'introduction, voilà, avant de passer la parole à Christian Sapin. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence en ligne. Bon, normalement, j'avais à peu près les noms, tout le monde doit le savoir, mais au cas il y aurait des personnes qui ne seraient pas proches de la Société Astronomique de Bourgogne. Voilà, donc je vais nous présenter très vite fait. Donc, nous sommes donc la Société Astronomique de Bourgogne et spécifiquement l'antenne de Vézelay. Donc l'antenne n'a pas été très active en 2021, voilà, donc essentiellement voilà, à cause des mesures liées à la crise sanitaire. Mais on prévoit voilà, de relancer un petit peu nos activités en 2022. Et pour allier les actes aux paroles, c'est chose faite avec ce premier événement de l'année. On espère évidemment en faire d'autres. Et notamment, voilà, on aimerait bien relancer les observations déjà pour les adhérents. Donc voilà, pour ceux qui seraient pas membres, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, si vous souhaitez pratiquer l'astronomie, apprendre aussi évidemment sur l'astronomie et aussi contribuer à diffuser la connaissance et la pratique de l'astronomie et de la culture scientifique autour de vous. Alors, je souhaiterais évidemment remercier au nom de l'association et de l'antenne Christian Sapin, voilà, d'avoir accepté de nous rejoindre ce soir pour cette conférence qui est enregistrée et qui sera mise en ligne, hein, voilà, dans cet objectif de diffusion du savoir et de la culture. Donc un doublement merci pour cela, Christian Sapin. Et voilà, parce que c'est vrai que la diffusion de la culture scientifique, voilà, et de la connaissance, voilà, en général, c'est évidemment la raison d'être, c'est l'émission de notre association. Donc, je vais vous laisser évidemment vous présenter et présenter vos travaux. Alors, avant, je voulais juste vous dire dans l'association, il y a un groupe qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'association, mais il y a un groupe qui s'appelle Investigation. Et ce groupe, il s'intéresse à la pratique de l'astronomie au cours de l'histoire. Et alors le groupe basé à Dijon a travaillé déjà sur plusieurs sujets. Et en fait, on souhaiterait lancer un groupe d'investigation à Vézelay qui s'intéresserait justement à ce chemin de lumière si fameux de la basilique Sainte-Marie-Madeleine. On aimerait bien creuser, le comprendre davantage ce chemin de lumière et interroger notamment les travaux qui ont été réalisés à ce sujet, s'avancer un peu plus notamment sur qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas encore sur ce chemin de lumière. Et pour qu'en regardant aussi avec nos yeux, évidemment, de curieux de l'histoire, mais aussi de passionnés d'astronomie, on peut peut-être aussi contribuer à découvrir des choses. Donc, ouais, on se dit évidemment, le mieux, c'est de commencer avec les spécialistes. Et voilà, et donc, on est tous très enthousiastes à l'idée de vous écouter voilà, pour les prochaines heures. Donc, Christian Sapin. Merci, et c'est à vous. Merci. Écoutez, je suis heureux de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis archéologue, historien de l'art, directeur de recherche émérite au CNRS. Donc, bien qu'en retraite, je continue un certain nombre d'activités
de recherche à travers des conférences, des travaux, des suivis, des expertises, pas seulement en Bourgogne, mais aussi dans d'autres sites en France et à l'étranger. Et ma spécialité, depuis que j'investis les sites, c'est le Haut Moyen-Âge, surtout jusqu'à l'époque romane, et en particulier l'architecture religieuse, l'apparition des premiers lieux de culte, etc. Et donc, sur Vézelay, je vais tout de suite lancer les images que j'ai rassemblées là, si j'y arrive. Pourquoi c'est. Alors, je vais les passer au PowerPoint complet, mais j'ai toujours des trucs qui apparaissent au-dessus. Il faut que j'arrive à partir de. Voilà. Donc là, vous reconnaissez une photographie que j'ai pu faire le 25 juin, il y a 2 ans, sur place, donc sur ces problèmes de lumière. On va y revenir et ça sera surtout l'objet de la fin de mon intervention. Auparavant, donc, je vais évoquer un petit peu pourquoi et depuis quand on travaille à Vézelay dans un cadre d'un programme de recherche, vous voyez, qui commence d'abord dans un centre de réflexion dès 2002, donc ça va faire 20 ans exactement, et puis à travers aussi des fouilles de terrain dont on va reparler entre 2010 et 2013 pour l'essentiel, pour ce que je dirigeais. Après, d'autres collègues ont poursuivi sur d'autres aspects, mais qui nous intéressent moins aujourd'hui. Vous voyez bien mon écran là, c'est bon? Oui, tout à fait. Donc, vous voyez 3 axes qui ont été définis à l'époque sur les origines du monastère, dont je vais parler. Ça va être aussi l'intérêt des résultats de ce qu'on a trouvé dans ces années 2010-2013. C'est la première fois qu'on faisait des fouilles à Vézelay. Ensuite, nous intéresser, quand je dis nous, c'est que je travaille au sein d'une équipe, même si c'est moi qui coordonne et qui dirige. Donc, c'est à la fois une équipe gérée par le CNRS, mais aussi par le Centre d'études médiévales d'Auxerre, dont j'étais directeur à une époque. Donc, l'axe 2, c'est les bâtiments et la constitution d'un cloître. Effectivement, dans les problématiques qui nous importaient à cette époque-là, sur Vézelay, mais également en Bourgogne et en France et à l'étranger, c'était comment s'organise à un moment donné de l'histoire dans les monastères un système que l'on connaît assez bien quand on visite les monastères, c'est-à-dire un cloître avec des bâtiments autour. Ça paraît évident, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu attendre entre le 5e et l'époque carolingienne, le 9e siècle, pour que ce système vraiment s'impose. Et compte tenu des dates que vous voyez sur les origines du monastère, une des questions qu'on se posait, c'était de savoir si, dès l'origine, est-ce qu'on a pensé ainsi les bâtiments dans leur organisation. Et le troisième point, c'était le développement de l'abbaye et du bourg, puisqu'on commence par une abbaye, on commence par un site religieux, et puis se développent des maisons, une organisation qui perdure aujourd'hui et qu'on peut visiter, mais qui découle de cette première implantation. On est alors curieusement sur Vézelay, si on a des sources dans les textes, en particulier sur une fondation dans les années 860, on a très peu de documents, très peu de documents graphiques. Alors d'abord sur les sources, il faut savoir que la fondation en 860 n'est pas à Vézelay même, mais à Saint-Père. Donc quand vous allez à Vézelay, vous traversez le village de Saint-Père en dessous, et là, vous voyez une église gothique, et puis si vous avez la curiosité d'aller un peu plus loin en allant vers les fontaines salées, vous voyez les ruines d'une première église qui, à la fin du XVIe siècle, est devenue le cimetière de Saint-Père. Et donc, j'ai eu l'occasion, avant de commencer à Vézelay même, avant d'être sur la colline, les recherches qu'on a commencées en l'an 2000, 2001, ont commencé par Saint-Père avec une fouille dans cette vieille église Saint-Pierre, puis dans l'église Notre-Dame, puisqu'il y a 2 églises. Pour essayer de comprendre si on avait là des indices. Et effectivement, on a trouvé des indices importants montrant que l'occupation remontait bien au-delà, bien avant la fondation de 860, dès le 5e, 6e siècle, et on s'installe sur une occupation antique.
Et puis, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un glissement? Eh bien, dans ces années 880, 860-80, il y a des menaces importantes. Hein. C'est pas les Russes, c'est les Vikings qui commencent à s'introduire un peu partout, par la vallée de la Seine jusqu'à Paris et qui remontent Lyon. Et donc, les monastères de qui étaient à Saint-Père, ce premier monastère de Vézelay, visiblement, donc, craint ce passage des Vikings. Ça a assez mal se passer, notamment à Auxerre et ailleurs. Il y aura aussi au Flavigny. Donc, on le sait par d'autres sources. Et c'est comme ça que vers 880, donc, on décide de s'installer en haut de la colline. Et le dessin que je vous montre ici, début du XVIIe siècle, c'est le plus ancien dessin qu'on ait pour exprimer justement cette colline de Vézelay, cette colline qu'on a appelée éternelle, que les écrivains, la littérature s'est emparée. Mais si vous regardez l'image du dessous, la légende a disparu, mais en 1790, on s'aperçoit si on reconnaît bien l'abbatiale, par contre, au sud, où on devrait trouver les bâtiments autour d'un cloître, il n'y a plus grand-chose. Il y a on devine effectivement des constructions, mais très peu ordonnées, en tout cas pas autour d'un cloître. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au XVIe siècle, ce monastère bénédictin avec des moines a abandonné progressivement cette règle bénédictine au profit plutôt d'un système de chanoines avec des maisons particulières qui vont être construites du côté nord. Si on voit ma souris là, donc c'est ici. Quand vous passez dans cette rue, vous avez des petites maisons qui sont organisées au XVIIe siècle, fin 16e, XVIIe siècle. Donc si je dis ça, c'est parce que en fait, le reste des bâtiments de service, les bâtiments qui étaient au sud, et le cloître en particulier, est plus ou moins à l'abandon. Et à partir du moment où on n'entretient plus, eh bien, ça tombe en ruine. On reproche justement à certains de venir jouer au jeu de paume dans le cloître, aux enfants de jouer dans le cloître. Ça veut dire que c'est vraiment à l'abandon. Alors, je dis tout ça parce que c'est assez rare, quand on travaille sur des sites du Moyen Âge, de ne pas avoir des plans du XVIIe, du XVIIIe siècle. En fait, curieusement, ces plans ont dû exister, mais ils ont disparu et ils n'ont pas été conservés. Et donc, c'est l'archéologie qui a permis de dresser quelques hypothèses. Mais avant nos travaux, bien entendu, d'autres s'y sont intéressés, et en particulier Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, on est en 1840, et cette aquarelle qui est conservée à Paris, elle nous intéresse par rapport aux questions des fenêtres dont on va parler tout à l'heure. Elle nous montre l'état très dégradé de l'abbatiale. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Bon, ces petits bâtiments ont disparu. Ici, il y a une coupe sur le retour qui était le dortoir. Si on agrandissait non, je ne vais pas le faire là, on verrait l'état de dégradation des maçonneries. Ici, il y a des lézards dans la tour sud. Et donc, ce jeune architecte qui intervient en 1840 à la demande des monuments historiques, système qui vient de se constituer, hein. On est dans cette période de la Restauration, et passé peu de temps avant un certain Mérimée, que vous connaissez par la littérature, et c'est lui qui va attirer l'attention sur ce monument-là, en montrant qu'il y a des arbres qui commencent à pousser dans ce qu'on appelle l'avant-nef, hein, certains appellent le narthex, et donc il faut faire quelque chose parce qu'il y a une très belle sculpture, il y a tout un ensemble qu'il faut sauver. Et donc c'est ce jeune architecte Viollet-le-Duc qui va être nommé, c'est de ses premiers travaux en 1840. Et c'est un excellent dessinateur, et grâce à lui, on a cette documentation, on a ces aquarelles, et on voit beaucoup de détails. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va effectivement sauver le monument, mais le sauver à sa façon, c'est-à-dire que remplaçant beaucoup de pierres, modifiant beaucoup de choses, et en particulier, là, je n'ai pas l'image, mais à l'intérieur, où les constructeurs gothiques avaient remplacé les trois travées orientales par des travées gothiques, il va les détruire pour revenir à des travées romanes. Donc, chercher une unité. Et surtout du côté sud où nous nous trouvons en regardant cette aquarelle, l'arrachement des bâtiments qui étaient appuyés contre, notamment le cellier, etc., eh bien, n'apparaît plus dans ces restaurations. Les contreforts sont restaurés comme si
l'édifice s'arrêtait là. Et c'est ce qui va évidemment être un mauvais tour pour la compréhension de cette abbatiale, pour les visiteurs, puisqu'ils ont l'impression que cette église est comme ça, isolée, séparée, alors qu'il faut l'imaginer accompagnée, comme toutes les abbayes, par des bâtiments monastiques. Alors, ces bâtiments, c'est ceux qui nous intéressaient. Et là, ce que vous voyez, donc, c'est à la fois le plan de l'abbatiale, le plan ici tramé du bâtiment encore en élévation qu'on va apercevoir dans, sur des photos, qui est le dortoir, qui va être restauré. Tout le reste, c'est la traduction qu'on a pu faire à travers les prospections radar. Effectivement, c'est un site où on a couplé à la fois la connaissance sur le terrain, à travers des fouilles qu'on va observer, et puis le radar, donc ce système où on voit des ondes dans le sol et qui permettent de voir dans la résonance ou pas de ces ondes s'il y a des maçonneries. C'est ainsi que, par exemple, ici, on a des alignements qu'on va traduire après dans le tramage et dans l'expression graphique, mais vous les voyez par exemple ici, ces alignements qui montrent très bien, ou là par exemple, qu'il y a une ordonnance de bâtiment du côté sud, qui correspond à ce qu'on pouvait attendre, mais pas seulement. Il y a aussi par exemple ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, une petite abside. Ça, c'est la découverte de l'abside carolingienne, dont on va reparler, de la première église au moment de la fondation ou la refondation en 880. Aujourd'hui, quand vous visitez, je n'en ai pas ici l'image, mais dans ce secteur-là, vous visitez la crypte romane, ici, qui est reconstruite à l'époque gothique. Et là, à cet emplacement-là, vous avez l'emplacement des reliques de Marie-Madeleine. Car effectivement, le site qui est fondé, donc, comme je l'ai dit, fin du 9e siècle, est dédié à Notre-Dame. On ne parle pas du tout de Marie-Madeleine et d'autres reliques à ce moment-là. C'est à la fin du 10e, surtout au 11e siècle, que ces reliques sont rapportées de Saint-Maximin. Et d'un seul coup, l'édifice et le site vont être l'objet de grands pèlerinages, donc accueillir énormément de monde. Et ça va grossir. Et en même temps, il y aura des donations. Donc, on aura plus de moyens et on va reconstruire tous ces bâtiments qu'on peut voir, notamment encore conservés dans la partie orientale. Et puis, on aura les moyens également de reconstruire l'église. Et là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais si on a une très grande église romane ici et un chœur reconstruit à l'époque gothique, c'est qu'effectivement, c'est la période du XIIe siècle qui est un peu l'apogée de Vézelay. Vézelay qui est un peu en rivalité aussi avec Autun, qui a les reliques de Saint-Lazare, etc. Là, on peut aussi deviner d'autres choses, d'autres maçonneries, je ne vais pas rentrer dans les détails, et même ici, par exemple, il y a une maçonnerie oblique qui pourrait être aussi l'élément du rempart, puisqu'on sait qu'à la fin de l'époque carolingienne, Vézelay va s'entourer de remparts pour se protéger justement des invasions possibles. Donc voilà pour la connaissance globale telle que l'archéologie et la prospection géophysique a permis dans ces années 2010-2012 de les comprendre. Quelques images de la fouille ici. Donc on a eu la chance de, pour ceux qui étaient passés par là avant peut-être, où il y avait soit une grande pelouse, soit un parking. Donc maintenant les voitures n'accèdent plus dans cette zone-là. Donc on a pu fouiller entièrement toute cette zone-là et au-delà de cette photo, tout ce qui est devant nous. Au-delà, vous voyez des arcades, ça c'est des arcades, une galerie de cloître inventée par Viollet-le-Duc, non pas pour reconstituer le cloître, mais pour avoir une galerie à l'abri pour entrer dans l'église latéralement et rentrer dans la salle du chapitre. Et quand il fait ça, il fait aussi des fouilles, il fait des sondages. Il trouve des maçonneries, mais il a beaucoup de difficultés pour les comprendre, puisque on va le saisir nous-mêmes quand on va travailler sur ce site, c'est-à-dire que les maçonneries s'imbriquent les unes aux autres entre celles du 10e, du 11e, du 12e siècle. Et donc, il faut un certain nombre de méthodes, telles qu'on peut les élaborer maintenant, c'est-à-dire avoir une certaine rigueur dans le nettoyage, dans la reconnaissance de ces maçonneries, dans le dessin, dans l'observation des stratigraphies. Là, vous devinez quelques couches aussi de remblai. Ailleurs c'est des fois un peu informe, donc il faut effectivement éclaircir tout ça, donc ça prend du temps.
dans ce type de fouille, qui est une fouille programmée, je ne l'ai pas dit, financée en grande partie par le ministère de la Culture, donc l'État, mais aussi les collectivités territoriales, les CNRS. Là, voilà par exemple le type de dessin que l'on va faire de ces maçonneries qui sont caractéristiques, pour celui qui connaît un peu ces périodes-là, de maçonnerie du Haut Moyen-Âge, construite en ce qu'on appelle un opus picatum, avec des pierres en oblique dans un sens et dans l'autre. Donc, ce qu'on appelle quelquefois une arête de poisson. Et dans cette maçonnerie-là, qui est la plus ancienne de Vézelay, on a eu la chance de trouver des charbons de bois dans les mortiers. Et ce sont ces charbons de bois qui vont nous permettre de dater précisément ce premier état des maçonneries. Et c'est important pour ce qu'on va voir par la suite dans l'organisation. Et la fourchette de datation par ces 14 nous donne les années 880-90, c'est-à-dire à peu près les dates qu'on pouvait supposer à travers les sources. Ça ne marche pas toujours comme ça. Là, en l'occurrence, on a eu de la chance. Par ailleurs, le type de maçonnerie qui est là, on l'avait rencontré aussi peu de temps avant en fouillant sur un autre grand site qui est Cluny, où j'ai eu la chance aussi de fouiller la villa carolingienne, et on a les mêmes techniques et les mortiers très proches. Donc, entre ça, la céramique, etc., donc on a une certaine assurance pour dater de cette première période les maçonneries que vous voyez là. Ici, vous les voyez en plan. Et sur le côté, on a aussi une reprise un peu plus large avec une banquette qui correspond à une reprise du 10e, 11e siècle. C'est-à-dire qu'on va s'aligner, et c'est ça qui est important dans la réflexion qu'on peut avoir ce soir, c'est-à-dire que l'ordonnance orthonormée qui va être déterminée par ces constructions carolingiennes va agir par la suite sur la position des bâtiments dans cette colline de Vézelay. On sait, pour avoir fouillé jusqu'au sol géologique, qu'on est sur un plateau calcaire qui a été rasé. Ce calcaire, on le trouve également rasé quand on visite la crypte. On voit le sol qui a été bien nettoyé et déblayé. Et donc, on sait exactement là où les choses ont été abaissées ou pas sur une colline. Donc, les informations donc, ont progressé dans ces années-là avec ce que vous voyez ici, une petite coupe stratigraphique et qui nous ont fourni aussi un ensemble d'indications sur ces premiers temps. Plus compliqué, ça nous intéresse moins pour ce soir, c'est par exemple ici, cette imbrication, c'est un lavabo. Un lavabo, c'est ce qu'on appelle dans les monastères ces grandes constructions avec une citerne au centre ou un puits, ça dépend, pour récupérer l'eau et pour permettre aux moines en quelque sorte, de se nettoyer les mains, de se laver les mains en ablution avant d'entrer dans le réfectoire. Et donc là, quand on est sur le terrain, on voit des choses assez informes. Quand on commence à dessiner comme là, quand on fait la différence dans les mortiers, on peut effectivement voir plusieurs faces. C'est ce que vous devinez ici. Vous voyez, il y a une face bleue qui était une face du 12e siècle. Cette face marron est une face du 17e siècle, etc. Donc, c'est ce travail qu'on a accompli sur Vézelay s'est fait donc, de cette façon-là sur l'ensemble du site. Et à partir de là, on peut aussi, à travers des coupes, à travers des élévations, s'y proposer des hypothèses pour ces différentes parties du cloître. Et puis, il y a le mobilier donc, traditionnel, céramique, le verre, les carreaux, etc. Et la sculpture. Là, vous voyez un chapiteau du cloître trouvé par Viollet-le-Duc, qui est au musée, un très beau chapiteau. Et donc, ce chapiteau, comme ces sculptures que nous avons trouvées, nous permettent aussi de donner des dates assez précises, puisque les ateliers de sculpture du XIIe siècle évoluent très rapidement entre les années 1120-1160, et on peut, là, à 5 ans près, donc on est très loin des datations évidemment offertes par l'archéométrie, par les 14, mais c'est déjà pas mal, par l'histoire des formes, l'histoire de l'art, et donc on sait qu'effectivement il y a bien un cloître roman dont on avait trouvé les maçonneries, et qui était un cloître très élaboré, avec ces sculptures. Donc, on retourne à l'image générale. Alors, comme vous le voyez, on n'a pas pu tout explorer, parce que soit il y a des aménagements, là, il y a une citerne du 19e siècle,
Là, il y a un bâtiment qui a été restauré et ça, c'est une propriété privée. Là, on avait des jardins qui ont été depuis acquis par la municipalité, donc on avait pu travailler. Et vous voyez aussi déjà en négatif, là, des alignements. Et à chaque fois, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'on est sur quelque chose de parfaitement orthonormé, donc par rapport à l'église qui est la plus ancienne qu'on avait là. Donc c'est ce qui va nous amener à réfléchir sur. Alors ça, c'est le plan général, vous voyez, sans interprétation, avec uniquement les premières campagnes de fouilles. Après, il y a eu d'autres choses qui ont été trouvées ici, la crypte qu'on peut visiter. Donc on voit bien que la crypte romaine, agrandie à l'époque gothique, s'ordonne toujours dans cet axe-là. Ce qui, par contre, change d'axe, qui se modifie, ce sont des éléments des rues ici, et ça, c'est les remparts qu'on a pu aussi identifier. Et donc, ce qui nous intéresse ce soir, c'est les notions de départ. Et là, voilà. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure une petite abside, alors que j'ai dit carolingienne parce que on ne l'a pas fouillée. Elle est sous le chœur. Et vous imaginez qu'à Vézelay, où c'est 1 million de visiteurs, où il y a une communauté monastique là, qui occupe ces lieux, l'ouverture de ce secteur n'est pas aisée, n'est pas dans les priorités. Ça se fera peut-être un jour. En revanche, ici, on a pu fouiller parce que l'architecte avait des soucis sur des problèmes de stabilité. Donc, on a pu faire application. Et puis là, il s'agit de petits murs que j'ai évoqués tout à l'heure, de ces années 880, qui s'alignent, comme vous voyez, avec ces murs-là. Donc là, on a en quelque sorte ce qu'on appelle un espace basilical, avec sans doute des supports qu'on n'a pas. Et puis, un espace occidental qu'on appelle avant-nef, c'est-à-dire qu'on est dans cet espace-là avant d'entrer dans l'église. C'est quelque chose qui se développe depuis la fin de l'Antiquité, mais qui est surtout accéléré à l'époque carolingienne, avec une liturgie propre dans la partie occidentale et dans la partie orientale. Donc c'est important parce qu'effectivement, ces édifices-là se développent, vous voyez, à l'ouest et à l'est. C'est-à-dire que si on part du point de départ, pour l'Église, ce que l'on suppute à travers un certain nombre d'indices, c'est qu'on a d'abord ce chœur-là et cette Église, qui à l'époque romaine va s'agrandir ici. Entre-temps, on a fait des fouilles aussi, tout ça maintenant est connu, on l'a publié. Donc on a un transept du XIIe siècle, et puis à la fin du XIIe aussi, ce chœur gothique-là que vous pouvez encore admirer. Et dans l'autre sens, la construction romane de la nef, elle vient après l'incendie de l'Église précédente. Celle-là, ou peut-être une intermédiaire qu'on n'a pas, un incendie en 1120, très important, puisque un certain nombre de pèlerins périssent dans cet incendie. Et donc, on va construire ça, on va le voir, je crois, sur le plan suivant. Non, ça, c'est encore un plan intermédiaire. Oui, c'est pour dire, avant l'agrandissement de l'église, on va aussi édifier ces bâtiments pour les moines. Donc, comme toujours dans ce monastère, donc on a. Ici, une salle du chapitre pour se réunir, au-dessus un dortoir, de façon à ce que les moines, dans les offices de nuit, puissent descendre par un escalier, dont on a trouvé quelques traces ici, directement dans le transept. Et donc là, on est dans une phase où déjà on a agrandi, on a abandonné ce chœur-là, on commence à agrandir le transept avec cette abside-là et la première crypte. Et dans cette évolution-là, vous voyez par rapport à ma démonstration, c'est-à-dire qu'on est toujours, on est toujours établi de manière orthogonale par rapport à la construction initiale et par rapport à ce mur-là et au mur qui peut exister ici. Et à l'ouest, donc on va continuer. Non, là on est encore dans l'établissement, là on est plutôt en 1120, dans l'image précédente on était dans les années 1100. Là, on est en 1120, on commence à construire cette grande nef, donc qui précède l'avant-nef. Alors, pour vous, évidemment, tout ça, ça paraît des détails de chronologie, mais pour l'historien de l'art, c'est fondamental, puisqu'on a pu montrer que le fameux tympan avec la très belle sculpture ici et correspond à cette phase-là de ces années 1120. Et accompagnant cette construction-là, on va reconstruire le cloître, c'est-à-dire que là, ces murs-là, ce ne sont plus les petits murs que vous avez en vert tout à l'heure en opus picatum, ce sont des murs reconstruits à côté, plus épais, mieux construits.
et qui viennent rejoindre ici le lavabo qu'on a écrit. Un lavabo, certains sont circulaires, celui-ci est carré. Donc, c'est un autre système. Les galeries, ici, ça n'apparaît pas parce qu'on n'a rien trouvé de cette phase-là, mais plus tard, on va avoir le cellier et sans doute ici le réfectoire. Là, on a, cette fois-ci, on est dans les années 1150, on a l'avant-nef qui existe encore aujourd'hui avec ses piliers. Hein, c'est là qu'il y a le tympan intérieur. Là, vous voyez donc l'église romane. On a toujours le transept avant l'agrandissement gothique. On reviendra là-dessus si vous avez des questions. Et là, ce que vous voyez d'un peu étrange, c'est une citerne. Cette citerne, elle existe toujours. On a pu descendre dedans. Et d'ailleurs, là, on la met en biais parce qu'on s'était basé sur des informations anciennes. Et depuis, on a pu reprendre tout ça. Et elle est bien aussi parallèle au mur. Alors, cette citerne, j'en dis deux mots parce que c'est intéressant. On pensait naïvement, comme Viollet-le-Duc, qu'elle récupérait les eaux de pluie des canalisations qui venaient dedans. En fait, ce qui est apparu, c'est que ça ne marche pas comme ça. Là, au centre, on a une espèce de grande gouttière. L'ensemble est voûté avec des grandes pierres, comme vous pouvez en voir ces toitures de ce qu'on appelle les toitures de lave, hein, qu'on a sur encore, par exemple, dans le Châtillonnais. Et bien, c'est le même système. Et donc, ça signe, et c'est, tout ça est enterré sous la pelouse. Ça signifie qu'en fait, l'eau de pluie était filtrée dans la terre et venait dans cette partie-là, était recueillie une fois filtrée dans la canalisation et par un système aussi de perforation, venait dans la citerne à la remplir. Et la citerne est encore à moitié remplie d'eau avec des colonnes et des chapiteaux. C'est quelque chose de tout à fait unique. Alors, voilà les phases qui continuent, c'est-à-dire que les bâtiments qui s'agrandissent, ici, ça accompagné les galeries de cloître. Ça, il s'agit des celliers dont on a besoin. Donc, celliers en cave et en grenier. Un premier réfectoire ici, dont on a trouvé le mur, là. Et puis, les bâtiments de service, les bâtiments salle du chapitre, dortoir au-dessus, etc., qui vont jusqu'ici. Donc, très, très grand. Et voilà, on est ici dans les années 1180, c'est-à-dire la reconstruction avec le système gothique du chœur. Donc, vous voyez, tout ça s'ordonne parfaitement et s'ordonne alors que le parcellaire, les rues, elles ne suivent pas du tout cela. Elles suivent plutôt les courbes de niveau. On le voit ici, on pourrait le voir aussi si on avait le plan d'urbanisme plus loin. Et là, c'est les reprises gothiques. Bon, ça intéresse même, mais on l'a continué jusqu'au bout pour comprendre. Voilà. Oui, ça, c'est une dernière chose. Ça, c'était des bâtiments qu'on n'a pas trouvés, mais qui sont dessinés au 19e siècle, qui étaient de ce côté-là et qui accompagnaient la route. Quand on arrivait à Vézelay, on arrivait par une route comme ça, le long de la colline ici, et pas par les routes que vous pouvez prendre aujourd'hui, par les chemins. Et là, ce qu'on a tramé, c'est simplement pour mieux signifier les trois éléments importants qui accompagnent en principe le cloître, la salle du chapitre qui est toujours là, le dortoir qu'on a supposé à travers les murs, parce que c'est la position ordinaire, les cuisines, les cuisines qui sont toujours dans l'angle là, de façon rationnelle, puisqu'elles permettent de récupérer les matériaux dans les celliers et greniers qui sont de ce côté-là, pour permettre aussi, évidemment, après les cuissons et les services dans les réfectoires qui est ici. Donc, on est un système qui, du point de vue liturgique et organisationnel, nous intéressait, puisque je l'ai évoqué en introduction, à l'époque carolingienne, donc on commence à voir apparaître ce système-là dans les textes et dans des plans qui sont conservés en Suisse, notamment à Saint-Gall. Et visiblement, là, vers les années 880, avec la phase verte qu'on a vue en premier, avec le petit mur en obispicatum, dès la fin du 9e siècle, on commence à penser l'organisation de cette façon-là. Ça signifie, derrière cela, que l'Église romane, telle que vous la voyez ici, reconstruite au 12e siècle, telle que vous la connaissez aujourd'hui, est établie et déterminée dans sa position par la construction carolingienne de plusieurs siècles auparavant. Alors,
On en arrive à cette question de la lumière observée depuis quelques décennies, que les franciscains d'abord de Vézelay, dans les années 50-60, ont mis en avant à travers des publications et qui intrigue dans cet exercice qu'on voit le 25. Alors, deuxième élément que je voudrais livrer à votre réflexion, c'est le problème des fenêtres. Parce que si on a effectivement cette lumière qui apparaît à travers ces taches à l'intérieur de l'édifice, c'est qu'elle passe à travers ces fenêtres. Et ces fenêtres, il faut bien savoir qu'elles ont été modifiées avec le temps. En particulier, là, on le voit un peu, on va le voir sur d'autres détails, ces grandes fenêtres romanes qui sont vraiment contemporaines des maçonneries. Là, prochainement, on va avoir la chance, dans quelques mois, là, dans un mois ou deux, de voir des échafaudages dans la nef, ce qu'on n'a pas eu. On a eu des échafaudages à l'extérieur, dans l'avant-nef, dans le cœur, mais pas encore dans la nef. Donc, on va pouvoir les regarder encore de plus près. Mais rien qu'en travaillant sur les toitures et en travaillant sur la documentation, on sait que ces fenêtres et descendaient jusqu'ici. Aujourd'hui, elles ont été raccourcies à travers le temps. Pourquoi? Parce que la pente de toiture ici a été, on va le voir sur mon dernier dessin, était plus haute, plus pentue, pour des tuiles plates. Alors, vous allez me dire, mais ce qu'on voit là, c'est des tuiles canales. Oui, c'est des tuiles canales qui sont tout à fait typiques de ce qu'on avait à l'origine. Et pourquoi c'est là? Parce que l'architecte, le dernier, qui a restauré il y a une dizaine d'années, a choisi, avec raison, de donner la pente de la couverture d'origine. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout de la logique, il n'a pas descendu les fenêtres à leur niveau d'origine. Et donc, ces fenêtres qui nous laissent passer la lumière, vous les voyez à travers encore d'autres photos ici, vous voyez, où ici, elles ont été modifiées. Alors, à quel moment? Eh bien, à toutes les chances pour que ce soit à l'époque de Vieux-l'Île-Duc. C'est à partir de là qu'on a les informations sur les travaux de restauration, et c'est avant cette tuile de mécanique d'il y a une dizaine d'années que l'on avait cette tuile plate et cette couverture qui était plus pentue. Donc, fatalement, à partir du moment où la toiture devait être plus pentue, puisque là, on ne pouvait pas descendre plus bas, et fatalement, on bouchait la base des fenêtres, et c'est ce qui allait être réalisé. On va le voir aussi sur d'autres maçonneries. Alors, c'est un petit peu sombre, ce n'est pas facile, mais vous voyez qu'ici, on a au moins 50-60 cm de maçonnerie de la lèche qu'il faudrait enlever pour avoir véritablement la fenêtre d'origine. Là, mon dessin ne l'accentue pas trop, mais c'est ce qu'on va reprendre. Ça, c'est de relever aussi pierre à pierre qu'on a fait sur les premières travées. Donc, c'est de la pierre de taille. Donc, c'est vraiment de la très belle construction. Ça aussi, il faut bien le souligner, c'est une architecture qui est vraiment bien pensée. Il y a un autre élément qu'on ne voit pas bien ici, mais c'est la présence de tirants métalliques qui, sans doute, étaient là pour compenser l'audace de cette architecture qui est utilisée pour le voûtement de la nef, ce qu'on appelle des voûtes d'arêtes. Alors que dans la plupart des grandes églises abbatiales, cathédrales du XIIe siècle en Bourgogne, on avait une voûte en berceau, qu'on savait très bien équilibrée. Et là, pour des raisons qu'on ignore, si ce n'est pour se distinguer des autres, on a fait ces voûtes d'arêtes, et donc qui vont tellement tirer un peu sur la voûte, donc on les a compensées par des tirants métalliques qui semblent, d'après ce qu'avait observé les ducs d'origine, c'est ce qu'on va essayer d'étudier pour analyser le métal. C'est vrai qu'au milieu du XIIe siècle, on a un grand moment où on développe la métallurgie, et on peut le voir quand vous visitez Fontenay, par exemple. Mais il faut qu'on ait la certitude en démontant ici et en analysant ce métal qui permettait de tenir avant qu'on établisse des arcs-boutants que vous avez aperçus qui viennent fatalement dans un second temps. Donc, ceci pour dire que la construction telle qu'on la voit aujourd'hui, elle a été modifiée, ce qui arrive très souvent, et modifiée par ses fenêtres, avec, pour ce qui est de notre rayonnement, une modification de l'inclinaison. Alors, vous avez sans doute
pouvoir justement répondre à ça, ou peut-être aller plus loin, ou faire des calculs, parce que ce sur quoi je voulais qu'on précise, j'insiste, c'est qu'actuellement, les niveaux de lumière du 25 juin, ici, eh bien, ne correspondent pas tout à fait à l'inclinaison, si on tient compte des fenêtres qui étaient beaucoup plus hautes, et donc qui devaient, à ce moment-là, au moment de l'aboutissement de la lumière, décaler ces effets de lumière. Ça, c'est une publication, je ne sais pas si vous l'avez, dans la série de ces zodiaques, de la publication, c'était en 79, où ils avaient donc attiré l'attention sur ces chemins de lumière vers l'abside. Alors, ce que je dis là, comme vous le comprenez, m'amène, moi, à être assez sceptique sur cet effet volontaire des moines. D'une part, parce que vous l'avez saisi, la construction est ordonnée et dépendante essentiellement de l'organisation primitive de la fin de l'époque carolingienne, bien avant qu'on établisse cette église-là. Donc, l'axe est-ouest, il est ainsi déterminé. Et les fenêtres ont été modifiées. Et donc, pour moi, donc, ces éléments-là, qui sont magnifiques, sont plutôt fortuits. Et l'avancée vers la lumière de là correspond simplement à une reconstruction gothique qui amène beaucoup plus de lumière dans le cœur. Mais comme vous l'avez saisi dans mon début, ils avaient commencé à reconstruire aussi en gothique ces voûtes-là, et que si on les avait laissé faire et s'ils en avaient les moyens, je pense que toute la basilique aurait été reconstruite, l'époque gothique. Donc, ces éléments-là, on mériterait effectivement, je ne sais pas si c'est votre intention, de faire des calculs beaucoup plus précis pour voir si ces modifications d'ouverture et de fenêtre peuvent jouer, comme je le suppose, sur ces taches de lumière. Voilà, donc là, je vous ai donné mes principaux éléments. On pourra revenir en arrière et je suis à votre disposition pour les questions. Que je trouve le bouton pour remettre le son. Mais parlez bien fort parce que vous m'entendiez bien, moi. Oui, ah oui, très très bien, très très bien. D'accord, bon, voilà. Oui, il faut mieux parler dans le micro, sinon. Alors je vais me tourner un petit peu vers les participants. Est-ce qu'il y aurait des questions à ce stade? Alors, s'il y a des timides, vous pouvez les écrire, hein, je peux les lire pour. Bon, d'abord, est-ce que mon exposé correspondait à ce que vous attendiez sur, par rapport aux questions que vous me posiez dès le départ dans votre premier mail il y a un an et demi? Ah, tout à fait, tout à fait. Bon. Tout à fait, je trouve ça super intéressant. C'est vrai qu'on a tendance à penser la basilique, vu qu'on la connaît telle qu'elle est, comme voilà, quelque chose qui a été finalement construit, même si on sait qu'il y a eu des évolutions, un peu qu'elle a été pensée dès le début, telle qu'on la voit. Et donc c'est vrai quand on pense au chemin de lumière, il y a une hypothèse qui vient naturellement, c'est de se dire qu'il est intentionnel, etc. Or, je comprends que votre vision sur la question du chemin de lumière et voilà, vous me dites, et peut-être c'est peut-être quelque chose de fortuit. Est-ce que moi ma question, c'est est-ce qu'il y a un débat qui a lieu en ce moment justement entre les spécialistes? Est-ce que c'est quelque chose qui est vu ailleurs, qui dirait du coup, vu qu'on le voit en fait, on pourrait se dire qu'il y avait une intention derrière ou pas? Enfin, un petit peu, est-ce qu'il y a un débat, si j'ose dire, entre spécialistes sur le sujet? Honnêtement, non. J'ai pas senti de débat. Donc, évidemment, je ne suis pas le premier à m'intéresser à Vézelay. Donc, je connais bien la littérature, des collègues anglais, allemands, etc., qui travaillent sur Vézelay. J'avoue que leur attention est surtout portée sur les problèmes de sculpture qui les passionnent ou sur les techniques d'architecture. Ces éléments-là qui sont connus, publiés, etc., n'ont jamais vraiment attiré l'attention. Alors, peut-être que j'aurais dû, à l'occasion d'échanges avec des collègues, poser la question ouvertement, ce que je n'ai pas fait. Donc, je ne peux pas vous dire exactement ce que
les Diemer, nos collègues de Munich pensent, ou ni Stratford à Londres, mais je pense qu'ils seraient assez proches de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire un peu sceptiques par rapport à ça. Pour ma part, moi, je reconnais, enfin, j'ai un respect pour ceux qui regardent ça, pour ceux qui parcourent notamment, je ne sais pas si j'avais encore une photo, non, c'était avant, qui parcourent ce chemin de lumière. Donc, ça, pour moi, ça relève de la foi, hein, ce que je respecte tout à fait. Je n'ai pas du tout, hein, mon intention n'est pas du tout de critiquer ça. Je dis simplement, par rapport à vous et par rapport au problème que vous posez en tant qu'intéressé par l'astronomie, moi, en tant qu'archéologue, je ne vois pas d'éléments déterminants, volontaires, que ce soit au XIIe siècle ou après. Alors peut-être que quelqu'un pourra me montrer le contraire, peut-être qu'il y a un texte, et on va dire, ben, on a modifié les fenêtres exprès pour avoir ces lumières-là. Mais si c'est le cas, ça veut dire que ça ne vient pas des constructeurs du XIIe siècle. Je crois, si vous voulez, bon, il faut aussi être sérieux. On a des textes tout à fait précis sur la symbolique romane, sur le chiffre 8, etc. Enfin, on a des textes du 11e, 12e siècle. C'est plein d'intentions, ces architectures. Mais en attendant, quelquefois, on voit un peu trop. J'ai eu la chance de travailler sur des édifices qui sont très connotés pour ça, c'est Chartres et puis le Mont-Saint-Michel. Je peux vous dire qu'effectivement, quand on est là-bas, on voit passer toutes sortes de personnes, de visiteurs, à la fois passionnés, mais un peu illuminés par des intentions que moi, je ne vois pas. Alors, par exemple, au Mont-Saint-Michel, j'ai pu montrer que là, on imaginait le rocher qui était le point de départ de Mont-Saint-Michel en élévation. Donc, le guide montrait à tout le monde ce rocher. Et avec mes collègues, on a pu montrer que non, c'était une maçonnerie avec des grosses pierres, etc., qu'il y avait du mortier entre les pierres et que ça n'avait rien à voir avec la fondation du 8e siècle. Donc, des fois, je suis un peu désolé parce que je casse un petit peu les belles hypothèses ou les beaux rêves, mais on est là pour ça, on essaie de faire de la science. Et une fois de plus, pour moi, ce n'est pas contradictoire avec la foi, simplement, il faut savoir ce qu'on cherche. Oui, c'est un peu, ça casse un peu les rêves, effectivement, et la poésie de la chose. Oui, mais on peut faire de la poésie autrement. Oui, mais bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à lancer des calculs et puis voir, mais ça appartient aux spécialistes du club. En fait. Voilà, parce que là, moi, je ne sais pas, vous voyez les petits dessins faits par les franciscains, là, qui me paraissent un petit peu juste. Je pense qu'il y a mieux à faire dans les calculs, les problèmes d'ensoleillement, etc., pour être beaucoup plus rigoureux et voir effectivement ce qui se passe, si on modifie ou si on ne modifie pas les fenêtres, à quelle heure ça change, est-ce que c'est vraiment à midi, 25 heures. Là, les photos que j'ai faites, là, j'étais là, hein, donc c'est pour vous dire que je suis allé voir effectivement comment ça fonctionnait le 25 juin. Et il y a foule, on les voit un petit peu là qui sont en train de se répartir dans l'église. Donc, il faut bien admettre qu'il y a ces tâches. Mais inversement, ce qu'il faudrait, c'est le faire aussi sur d'autres églises, au même moment. Et après, ça pose le problème des fenêtres, d'être sûr que les ouvertures dans d'autres églises, soit Saulieu, à Autun, ailleurs, voilà, et inverse. Et également, ça pose le problème de l'orientation. Si vous allez dans la cathédrale d'Autun, vous dire, ah, ben, oui, ça va être formidable, sauf que si vous regardez de près, la cathédrale d'Autun n'est pas orientée. Elle est d'orientation nord-sud. Donc, effectivement, on n'aura pas du tout le même effet. Donc, ça oblige aussi à avoir une certaine rigueur sur les points d'orientation. Et là, il y a toujours des débats sur l'origine des orientations des églises. Hein. Est-ce que par rapport à l'Est, alors, certains, par exemple, diraient ben, c'est suivant justement le vocable, c'est-à-dire la sainte ou le saint auquel est dédié l'édifice. Et que c'est le jour de sa fête qu'on édifie. Sauf que là, ça ne peut pas jouer, puisque si l'édifice aujourd'hui est dédié à Marie-Madeleine, comme je l'ai dit tout à l'heure, volontairement, au départ, on construit une église sur la colline, elle est dédiée à Notre-Dame, ça n'a rien à voir avec Marie-Madeleine, et c'est bien avant.
Donc, il faut avoir une rigueur également sur les sources et sur les textes, et puis sur les plans et sur les dessins, les orientations, avec des changements, parce que là aussi, si on suit à des plans un peu rapides, anciens, même du XXe siècle, des fois, il y a des inclinaisons qui ne sont pas tout à fait rigoureuses. Donc, maintenant qu'on a du matériel avec des lits électroniques, etc., on est capable d'avoir une plus grande rigueur dans la compréhension de l'implantation. Alors, oui, pour les calculs, en fait, on connaît pas la hauteur ni la taille d'ailleurs réelle des fenêtres, ni leur hauteur. Hein, c'est un peu le problème. En fait. Je pense que pour calculer, je pense alors, qu'il faut connaître cette hauteur-là. On les connaît pas. Non, mais on peut les avoir. Là, il suffit de là moi, honnêtement, je les ai pas entrés. Mais si on ici nos relevés ici. Ils sont très précis. D'après les plans. Voilà. Donc là, on peut vous donner la hauteur de la fenêtre actuelle jusqu'ici et la hauteur de la fenêtre d'origine ici. D'accord. Okay. Et ça, on le fera d'autant plus que, puisque je viens d'évoquer, la nef va être échafaudée. C'est vrai que on peut être très précis. On a d'ailleurs. Alors, ici, on voit des modifications. Là, je n'ai pas d'explication encore. La plupart des fenêtres sont arrêtées comme ça, si on les a réduites. Ici, il y a ce bandeau. Je ne sais pas. Mais notre travail, c'est un peu d'identifier, parce que vous voyez aussi qu'il y a des calcaires différents. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont remplacées, qui apparaissent sans doute aux phases des années 1850, ces pierres blanches. Je pense que la fenêtre est sans doute de Viollet-le-Duc. Et là, on a, vous voyez, c'est même un peu abîmé et cassé. Si vous trouvez aussi des trous de boulins, pour nous, c'est très important parce que ça donne aussi le réglage des échafaudages. Et vous voyez qu'ici, ça se décale. Donc là, visiblement, cette travée-là, elle pose un problème. Là, il y a aussi l'élévation. Donc, notre travail s'est fait de cette façon très précise sur l'avant-nef. Sur le tympan, on a pu montrer, c'est mon collègue Stéphane Butner, géologue, a pu montrer comment le tympan a été pensé au sol, installé, et qu'après ils ont modifié, qu'ils ont réduit, etc. Donc ils ont adapté. On a même trouvé des chapiteaux qui avaient été bûchés, que personne n'avait vu, c'est-à-dire qu'avec un éclairage rasant, on a fait des découvertes de ce genre. Donc notre travail, c'est d'essayer, dans ce qu'on appelle l'archéologie du bâti, d'avoir une connaissance très précise de la réalité des matériaux. L'apprisonnement, d'où viennent les pierres, etc. Qu'est-ce qui est remplacé, etc. Et à partir de là, à partir de cette réalité-là, on peut commencer à réfléchir. Et alors, si je tire le fil du corollaire, ce que vous dites, du coup, j'imagine aussi que l'orientation donc, du solstice d'hiver hein, sur les chapiteaux serait aussi du coup dû au, finalement au même voilà si je veux dire au même hasard ou en tout cas à la même à la même contingence si je veux dire. Alors le problème des chapiteaux il est double, il est compliqué effectivement parce que là aussi il faut vraiment, mais ça le travail a déjà été fait bien avant nous, identifier bien tous les chapiteaux qui ont été remplacés, restaurés. Ensuite on a dans l'histoire de l'art du XXe siècle beaucoup de collègues qui ont essayé de tirer sur des correspondances entre les chapiteaux bas, etc., sur l'Ancien Nouveau Testament, essayer de voir un parcours, etc. Certains disent non, ça ne fonctionne pas, les chapiteaux ont été exécutés, etc., une demande. Et puis, le commanditaire ou le maître d'œuvre n'était plus là, ils ont placé ça un peu n'importe comment. Donc, si c'est le cas, effectivement, on peut toujours réfléchir sur une organisation. D'autres ne sont pas d'accord, disent non, on peut trouver des correspondants. Et là-dessus, vous avez une littérature énorme de plusieurs thèses de collègues. Moi, je ne suis pas sur ce terrain-là parce que je suis moins connaisseur des problèmes d'iconographie et je suis un petit peu aussi méfiant par rapport à ça. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, le chapiteau ici est bon, qu'il est éclairé de cette façon-là, etc., que là c'est la porte du cloître et que donc le moine, quand il sort par là, quand il rentre par là, il voit ces chapiteaux-là. Donc, effectivement, ça je peux le dire. Après, savoir
qu'est-ce qu'il en tire de la connaissance de ces chapiteaux, ça relève d'une autre discipline. Et sur les fenêtres du bas, est-ce qu'on a constaté aussi des modifications? Alors, je reviens sur les fenêtres du bas. Là, on les voit un peu. Non, elles ont très peu d'allèches. Bon, c'est des grandes fenêtres. Hein. Ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez constaté. Quelquefois, on a tendance à avoir des petites fenêtres romanes en disant on fait des voûtes, donc on ne fait pas des grandes fenêtres. Non, on fait des grandes fenêtres. Là. Je ne sais plus, ça fait faire 1,40 m, je ne sais pas, 1,50 m de largeur, peut-être 2,20 m de haut. Donc, ça éclaire bien, hein. C'est pas rien. Donc, c'est l'édifice roman. Là aussi, hein, faut sortir des poncifs en disant le roman est massif, etc., avec des petites fenêtres, et on arrive au gothique, et enfin, c'est éclairé. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est plus compliqué. Et d'abord, là, quand on construit ça, on est dans ces années 1120-1140, c'est-à-dire on est à peu près à 50, 10 ans près, au début du gothique à Saint-Denis, et pas loin de Chartres. C'est-à-dire que tous ces constructeurs se croisent. Hein. C'est notre appréhension du 19e siècle qui partage gothique, roman pour simplifier. Mais c'est plus compliqué. Et vous voyez comment une architecture comme celle-ci n'est viable, en fait, que parce qu'à un moment donné, on va faire ces arcs-boutants. Alors, il y a eu un long débat, est-ce qu'ils étaient prévus ou pas? Au départ, j'ai parlé des tirants métalliques. Là, la question est encore ouverte parce que c'est très difficile, car notre ami Viollet-le-Duc, comme il a restauré tout ça, les indices archéologiques ne sont pas toujours visibles. Il faudrait pouvoir démonter certains éléments pour voir véritablement comment ça fonctionne. Et là, on entre dans des théories d'historiens de l'art qui, pour étayer un principe, une théorie, va effectivement dire non, là on est en 1140, donc effectivement, c'est les premiers arcs-boutants, etc. Bon, moi, je ne rentre pas trop là-dedans, parce que j'essaie de comprendre et j'attends aussi d'autres informations. Mais pour les fenêtres basses, il y a aussi le fait qu'on a des bâtiments qui sont appuyés là. Alors, vous allez dire, comment ça fonctionne? Eh bien, visiblement, il y avait une ruelle. Ça s'est pris depuis la cour du voisin. Et donc là, imaginez qu'entre ce mur-là et mes fenêtres, il y a tout l'espace du cloître. Hein. Mais j'ai pris cette photo-là parce que ça permettait en recul d'avoir toutes les fenêtres. Et apparemment, ces fenêtres qu'on voit ici, elles ont été modifiées. Elles n'ont pas été modifiées. Il y a quelques pierres remplacées. Vous les voyez, ces pierres blanches. Voilà. Mais la forme, la formulation de la fenêtre est à peu près identique. Et elles sont au-dessus des galeries du cloître, ici. Et là, il va y avoir une petite cour en gaz, un petit passage, parce que le cellier qui est appuyé contre, évidemment, il aurait bouché ses fenêtres. Mais ça... voilà, c'est là, on va le faire dessus. Alors, Jean, on a une petite question qui a été posée par Max, je n'ai pas compris en quoi consiste la partie métallique. Bonjour. Près des fenêtres dont vous avez parlé. Bonjour. Je peux? Oui. Bonjour, Oksana. Je suis pas du tout archéologue ni spécialiste, mais j'ai une pensée d'un parallèle avec Locke Marie Ecker. Donc, monsieur a dit que c'est fortuit ce qui se passe à Vézelay. Je suis allée aussi, bien sûr, pour admirer ce chemin pour le solstice d'été. Et moi, j'ai une relation plutôt enfantine. Donc, moi, je pense que si c'est fait, et si ça se crée, et si ça existe, il n'y a pas de hasard. Donc, pourquoi je parle de Locke Marie Ecker? Parce qu'il y a un cairn avec un dolmen dans lesquels qui ne se fait éclairer que par un seul rayon de lumière qui passe à travers l'allée couverte et éclaire cette chambre qui se trouve au fin fond d'un cairn. Il n'y a qu'une journée par an où la lumière passe, c'est le solstice d'été. Donc, ça peut être un parallèle un peu bizarre parce que. Non. Mais donc, il n'y a pas. Comme à Carnac, toutes les alignées, ils sont aussi orientés par rapport au soleil. Et voilà. Et donc, je pense que même si là, le chemin de lumière est lié à la construction gothique, il peut y avoir une idée des constructeurs romains aussi. Donc, c'est
Voilà, non, mais, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'entends bien, non, mais sur les mégalithes, évidemment, il y a un certain nombre de travaux et une lumière, effectivement. Si vous orientez bien votre fente de lumière, à un moment donné, ça va donner quelque chose. Et ça, je l'admets assez bien, il y a un nombre de travaux, je pense aussi à Stonehenge, à toute l'organisation de ces mégalithes. Là, on est dans quelque chose de très différent, puisque déjà, l'axe même de l'édifice, il est déterminé par une implantation bien plus ancienne que l'église romane, et les fenêtres, ce n'est pas une ouverture, c'est plusieurs fenêtres, donc c'est beaucoup plus complexe, et la dimension de ces fenêtres joue aussi sur l'emplacement, c'est ça sur quoi il faut peut-être plus travailler, et à ce moment-là, on pourrait dire, mais alors toutes les églises romanes devraient donner la même chose. On pourrait très bien avoir la même chose, et ça ne semble pas être le cas. Donc, non, mais moi, pour moi, ça ne me gêne pas du tout, l'Haute-Marie-Acquière. Au contraire, non, je crois assez bien, là, il y a une volonté. Mais entre l'Haute-Marie-Acquière et une pensée par rapport à la lumière d'un axe, etc., et ici, on est au XIIe siècle, on est dans une grande période aussi de société médiévale avec toute une philosophie, des écrits spirituels, etc. C'est pas il y a toute une pensée derrière ça, et cette pensée elle s'exerce sur des manuscrits, sur beaucoup de choses, sans forcément passer par les lumières. Il y a des écrits de Suger, par exemple, le constructeur de Saint-Denis, qui montre bien que les vitraux, par exemple, ont une signification parce que c'est la lumière extérieure et la lumière de Dieu pour lui qui donne sens aux scènes qu'il y a sur le vitrail. Là, on le comprend bien. C'est-à-dire, il y a une symbolique qui est donnée à cela. Ici, on est dans quelque chose de très différent. C'est un problème de construction. Et savoir si le constructeur, au XIIe siècle, qui se fonde sur un bâtiment qui était là, puisqu'il y a eu un incendie, et comme je l'ai dit, on reprend les mêmes orientations. Ça veut dire qu'à arriver à une certaine hauteur, dans les calculs, est-ce qu'il aurait cherché à faire des fenêtres calculées pour que cette lumière, à un moment donné, vienne de manière oblique, donner des taches de lumière au centre? Je ne sais pas si c'est possible, voilà. Mais moi, pour l'instant, je ne crois pas. Mais peut-être que parmi vous, là, sur tous les auditeurs, il y en a qui sont prêts à faire les calculs et à me défaire la démonstration. Moi, j'en serais très intéressé. En tout cas, ça donne une piste très, très, très intéressante, effectivement, notamment en simulant l'ouverture, voilà, avec l'ouverture initiale des fenêtres qu'on peut connaître grâce à vos travaux. Je trouve que c'est une piste super intéressante à explorer. Voilà, ici, le président de l'association, voilà, nous écoute en tant qu'investisseur. Je pense que voilà, ça peut ouvrir des choses très intéressantes. Je vais donner aussi un autre exemple par rapport au problème de la lumière. C'est Germigny, petite église carolingienne à côté d'Orléans, sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler. Il y a actuellement une abside, donc on comprend ce qu'il y a une abside. Au-dessus, il y a une mosaïque, une des plus anciennes mosaïques, qui représente l'Arche d'Alliance. Et un jour où je suis passé, les enduits étaient en train d'être réparés. Je m'aperçois que la base de ces fenêtres, qui avaient été reconstruites à l'époque du 19e siècle, étaient des niches. Et d'un seul coup, m'est apparu que ces fenêtres n'étaient peut-être pas là à l'origine, et qu'à l'origine, il n'y avait que des niches. Et donc, on va faire une expérience au mois de juin prochain, c'est de boucher les fenêtres complètement, parce que je pense que c'est une invention romane, et qu'à l'époque carolingienne, c'est-à-dire deux siècles avant, il n'y avait peut-être pas de fenêtres, et que la mosaïque, qui est une mosaïque à fond d'or, comme à Ravenne, etc., comme à Byzance, était, on avait recherché une lumière, c'est-à-dire que la lumière des cierges ou des lampes à huile suffisait pour que la mosaïque et le fond d'or reflètent cette lumière et donnent une lumière particulière, signifiante par rapport à ce que veut le constructeur ou le commanditaire de cette mosaïque. On est dans un autre monde, mais voilà, par exemple, là, je vais faire l'expérience pour pouvoir, en bouchant les fenêtres, avec l'accord des maisons historiques qui sont d'accord, et on va voir de ce que ça donne quand les fenêtres sont bouchées et comment réagit la mosaïque. Et l'or, est-ce que l'or suffit à donner une clarté dans cet espace central? Là, c'est un peu plus compliqué à Vézelay parce que déboucher toutes les fenêtres pour voir ce que ça change, il faut mieux le faire d'abord sur une maquette numérique. Il y avait d'autres questions? Il y a la question de Max là, que tu avais commencé à poser. Oui.
Max, qui demande, je n'ai pas compris en quoi consiste la partie métallique près des fenêtres dont vous avez oui, parlé. Alors, ça n'a pas de rapport avec les fenêtres. Je l'ai évoqué parce que pour montrer le type de questions qu'on se pose encore, c'est la présence, ce qu'on appelle de tirants, de grandes barres métalliques qui permettent de rejoindre les deux murs, d'une fenêtre à l'autre, plutôt entre les fenêtres, hein, pas, entre le nord et le sud, et qui permettent de maintenir. Et de maintenir, avant qu'on fasse ces arcs-boutants, de maintenir les murs en équilibre. Et certains ont dit, mais ces éléments métalliques sont rapportés. Mais d'autres disent, non, ils sont là de l'origine. Donc, vous voyez, ça modifie aussi, parce que s'ils sont là depuis l'origine, ça veut dire que nos constructeurs, qui construisent en pierre, on est tous fascinés par la construction en pierre de l'époque romane, oui, mais c'est des gens suffisamment aussi ouvert sur les technologies nouvelles et notamment le métal pour introduire le métal. C'est ce qu'on va faire de toute façon 150 ans après les constructeurs gothiques. C'est depuis peu qu'on sait qu'à Bourges ou à Beauvais, la construction ne tient que parce qu'il y a du métal, mais du métal qui est caché. Et là, à Vézelay, une des découvertes qu'on a pu faire avec mes collègues, Sylvain Omar, c'est la présence aussi de métal dans le tympan d'origine, qui est le tympan extérieur, le tympan déposé par Viollet-le-Duc, qui avait été cassé entre le XVIe et le XVIIe siècle, et ce tympan est déposé, et donc on a pu l'étudier de très près et s'apercevoir qu'il y avait des agrafes métalliques qui permettaient aux grandes pierres de ce tympan de se tenir, et que sans le métal, on ne serait pas arrivé. Donc ça veut dire qu'ils sont capables, pour la sculpture, d'intégrer du métal, et pourquoi pas pour l'architecture. Donc voilà, ces types de pistes m'intéressent sur les avancées technologiques, parce qu'on a une image un peu trop linéaire de l'évolution des technologies, alors qu'en fait, non, ça ne marche pas comme ça, et qu'il y a au contraire de très grandes avancées, et après, on attend 50 ans pour reprendre le métal. Mais il n'y a pas de rapport avec les fenêtres. Merci. De la réponse. Moi, j'ai une question sur la période de Viollet-le-Duc. Donc effectivement, vous en avez parlé. En termes de documentation, finalement, on a l'impression, mais c'est une impression que j'ai eue en fait quand vous en avez parlé, mais je ne sais pas si cette impression est confirmée, c'est qu'il y a finalement assez peu de documentation disponible, même de cette période-là, qui est pourtant une période assez récente, en termes de leur intention en fait dans le projet de rénovation, de dessin, de littérature plus générale sur ce projet qu'il avait pour Vézelay. Est-ce que déjà cette impression est confirmée? Et si oui, est-ce que ça voulait dire qu'il y allait finalement, si j'ose dire, un petit peu à l'instant? Non, alors, excusez-moi, là, il aurait fallu que, si j'avais su que vous posiez cette question, que je vous montre beaucoup plus de documentation. Là, on a cette aquarelle avant travaux, donc qui nous donne un état des lieux. Mais à côté de ça, on a beaucoup de ce qu'on appelle d'attachés, c'est-à-dire des relevés sur les pierres qui sont à remplacer. C'est-à-dire que pour chaque mur, on a par exemple le relevé des pierres qui sont en train de dépérir parce que gelées, etc. Et les pierres qu'il faut remplacer, donc souvent c'est en bleu ou en beige, etc. Et tout ceci est conservé à la médiathèque à Paris, la médiathèque dépend du ministère de la Culture, et le fonds Viollet-le-Duc est très important. Et donc là, on a, pour ce 19e siècle, beaucoup plus d'informations sur les travaux. Là, je vous parle de dessin, mais il y a aussi tous les devis, etc. On a les courriers, on a les correspondances, il y a plusieurs publications là-dessus. On a plus de documentation sur cette période-là qu'on en a pour les années 1930-40, par exemple, où là, il y a un peu une perte du dessin, enfin, moins d'intérêt et moins de documentation. Et ça revient après, dans les années 60-80, mais nous, archéologues, on s'en plaint un peu parce que, quelquefois, justement, certaines restaurations ont été faites, encore dans les années 80, sans cette documentation, alors que là, on a la chance, pour Vézelay, d'avoir ces dessins de Viollet-le-Duc. On est capable de voir très précisément ce qu'il a changé. C'est plutôt les époques précédentes où là, on n'a pas grand-chose. Alors que si on prend un édifice pas très loin où j'ai travaillé comme Saint-Germain-d'Auxerre, on a plusieurs plans du XVIIe, plusieurs plans du XVIIIe. En 1724, on a un moine qui dessine très précisément les éléments de la crypte, etc. Et à Vézelay, ce n'est pas du tout le cas. Ou du moins, si ça a été le cas, ça a été perdu. Donc voilà, donc le 19e siècle, non, c'est en tout cas pour cette période de Viollet-le-Duc et quelques autres architectes contemporains,
c'est pratiquement documenté, mais la documentation n'est pas toujours publiée. Donc voilà, il faut aller à Paris, il faut regarder ça dans les dossiers. Et la chercher. Ah, mais c'est quand même surprenant que pour une église de cette importance-là, on n'ait aucune trace, ne serait-ce qu'écrite ou de dessin avant cela, quoi, avant cette époque-là, quand même. Yes, ben oui. Oui. Alors bon, il y a quelques traces hein, quand même, Ouais. quelques traces écrites, hein. Pas de dessin, mais on a quand même, Ouais. elle est mentionnée, on ne la perd pas de vue. Mais je l'ai un petit peu expliqué, c'est-à-dire qu'à la fin du 16e, pour les abbayes, c'est une mauvaise période. Ça passe sous commande, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un abbé résident, c'est un abbé qui peut être plus ou moins religieux et qui va s'octroyer donc les droits sur une abbaye, on va lui donner ses droits et les revenus qui vont avec. Et donc, ils vont être quelquefois abbés de plusieurs abbayes, où ils viendront une fois de temps en temps et encore, c'est pas sûr. Et les moines, bon, là-dedans, ben, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà, enfin, c'est cette période un peu, c'est un période de décadence qui reprend dans les années 1630. On a un ordre bénédictin qu'on appelle les bénédictins de Saint-Maur qui vont restaurer. Quand vous visitez la France, vous voyez des bâtiments du XVIIe siècle. Pour la Bourgogne, si vous allez à Flavigny, vous voyez, si vous avez visité la fabrique d'Anis, c'est des bâtiments du XVIIe siècle très très bien faits. Mais ça, c'est pour remplacer ce qui était vraiment en très mauvais état. Les descriptions qu'on a après, notamment après la guerre, les guerres de religion, à la fin du XVIe siècle, qui ne sont pas forcément dus d'ailleurs aux protestants, mais simplement à un état d'abandon, de non-entretien. Ce problème de non-entretien, vous savez, on le connaît tous, hein. Si vous avez une maison, si vous connaissez des bâtiments, si vous ne remplacez pas les quelques tuiles qui manquent, l'eau pénètre et au bout de 10 ans, 15 ans, les pannes et la charpente commencent à pourrir, ça tombe, et c'est ce qui se passe là. Visiblement, c'est pour ça que j'ai dit, ils ne s'occupent plus du toit parce qu'ils ne l'utilisent plus, donc ils n'en voient pas l'intérêt. Et donc, ils préfèrent construire des maisons à l'extérieur. Et donc, la chose n'est pas entretenue. Et l'intérieur de l'église, elle était immense, cette église. Et donc, ils devaient se contenter du chœur. Et par exemple, l'avant-nef, bon, si les arbres poussaient, ça ne les gênait pas trop. Mais enfin, c'est un autre débat, enfin, sur le problème d'entretien des bâtiments. Mais ça coûte beaucoup plus cher si un bâtiment qu'on n'a pas entretenu à restaurer qu'un bâtiment qu'on a des crédits d'entretien tous les ans. Enfin, là, on est en train de. Je suis les travaux actuellement sur Saint-Bénigne à Dijon, donc qui est fermé pour 4 ans, jusqu'en fin 2023. Effectivement, il n'y avait pas eu de travaux de cette importance depuis 1890. Donc, effectivement, on voit les dommages que ça a pu avoir sur les problèmes d'infiltration d'eau, de sel. Donc, sur nos ouvertures, sur nos lumières, sur les orientations, des questions. Et c'est la première fois que vous vous intéressez à un bâtiment de ce type-là, ou vous avez déjà, dans le cadre de votre société astronomique, eu un regard sur les bâtiments religieux? Alors nous, à Vézelay, c'est le premier, hein, on est une jeune antenne, si j'ose dire, hein, mais D'accord. depuis à peu près 2 ans, donc 2 ans de Covid en plus, donc 2 ans plutôt ralenti. Mais je laisserai Oui. peut-être Vincent répondre si vous avez analysé un petit peu de bâtiment avec l'investigation de Dijon. Ouais, non, pas des bâtiments en fait. On s'est intéressé surtout à des sites archéologiques plus anciens de la Oui. bronze Oui. pour essayer de voir de manière sérieuse en faisant des calculs s'il y a des possibilités d'alignement avec les solstices ou avec des étoiles. Et dans ce cadre-là, on a été amené à rencontrer un certain nombre d'archéologues, dont Vincent Guichard, qui dirige le centre de Oui. Bibracte, et puis des gens à Arteis, Oui. à Dijon, pour échanger là-dessus. Et du coup, ils nous ont donné du travail, en fait. C'est-à-dire qu'ils nous D'accord. ont passé un certain nombre d'articles qui sont publiés comme ça et sur lesquels ils étaient un peu sceptiques.
sur les choses qui se disaient dedans, mais ils nous ont dit, bon, bah, nous, on n'a pas l'expertise astronomique, donc est-ce que vous pouvez regarder ? Donc, on a entrepris un certain nombre de notes de lecture là-dessus, qu'on met d'ailleurs sur un blog sur Hypothèse. D'accord. Et puis, voilà, avec des choses, des articles qui sont postés dans HAL pour l'instant. Voilà, et puis on travaille en même temps avec eux pour leur parler d'un site que nous, on connaît, d'un tumulus qui est au-dessus de Nuits-Saint-Georges. Mmh. Voilà, donc pour l'instant. C'est... Oh, très bien, c'est... Non, mais ces collaborations sont toujours enrichissantes, c'est très bien. Ouais. Et puis sinon, bah, dans le groupe, on travaille aussi, mais ça n'a rien à voir avec les orientations. Sur la tour Philippe le Bon, qui est la grande tour médiévale de l'île de Dijon, pour une toute autre raison, c'est qu'elle a été transformée au XVIIIe siècle en observatoire astronomique pour les relevés de longitude, etc. Et on essaye de reconstituer l'histoire, cette fois-ci avec les personnages, les instruments, etc., de cet observatoire de 1750 à nos jours. Quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Mais donc à Béziers, vous êtes une petite équipe là, un petit groupe. Comme je l'indiquais, il y aura prochainement des travaux. Mettez-vous en rapport avec mon collègue Stéphane Butner, c'est lui qui dirige ça au Centre d'études médiévales à Auxerre, et je pense qu'il vous accueillera bien sur les échafaudages. Je veux dire que ce sera l'occasion de regarder ça de près. Certaines des images que vous avez vues d'ailleurs en dernier, c'est lui qui me les a passées ce matin parce que je manquais d'images rapprochées, notamment des fenêtres. Donc, vous pourrez prolonger des réflexions avec lui. Avec grand plaisir, surtout que voilà, ça fait un petit moment qu'on a un peu ce vœu pieux de commencer quelque chose sur le chemin de lumière de Béziers et on ne savait pas trop par où commencer. Donc, je trouve que partir un peu sur des hypothèses dont on a parlé ce soir, donc voilà, sur justement aussi en comprenant un peu mieux aussi l'évolution du bâtiment, je trouve que ça donne des pistes pour se dire en fait on peut commencer par là. Oui, et oui. Et justement faire un peu les premiers pas, identifier les premiers pas qu'on n'arriverait pas trop finalement à identifier, on va dire par nous-mêmes. Donc je trouve que c'est intéressant, effectivement, on serait ravis de rester en contact avec vous. On aura peut-être besoin, aussi par exemple pour les fenêtres, les niveaux des calculs, je ne sais pas si c'est des choses sur lesquelles on pourra interagir, mais en tout cas, je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant. On pourra vous passer les relevés sans problème. Et si vous passez même dès maintenant vers Auxerre, à notre centre, vous passerez la documentation, les petites plaquettes là, qu'on a fait sur Béziers, qui vous donne déjà, enfin qui résume un petit peu ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. Enfin, ça peut vous aider. Non, moi, je suis tout à fait ravi de ces avancées, de ces collaborations. Et peut-être que vous arrivez à me démontrer que non, c'est vraiment volontaire et bien fait. Moi, je ne demande que ça. Alors, moi, je suis assez fasciné parce que je me disais que finalement, on devait à peu près tout savoir sur Béziers et notamment sur le chemin de lumière qui fait venir beaucoup de personnes chaque année. Et finalement, je me dis qu'il y a encore une part assez, assez évidente à creuser et à aller chercher des choses. Voilà, mais oui. Non, je crois volontiers. Enfin, un problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est bon ? Non. Écoutez. Bon, on vous remercie. Un grand merci à vous, Christian Sapin. Et aussi, nous aussi, on sera très heureux même de vous accueillir à l'occasion pour une observation. Si ça vous intéresse, on vous tiendra au courant de nos événements et un peu de nos activités. Et voilà, on vous remercie vraiment beaucoup. Parfait. On reste en contact, alors. Très bien. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Voilà, à bientôt. Merci, merci. Thibaut, oui. Je t'as peut-être l'habitude, mais quand tu vas couper Zoom, ça va te faire ça va enregistrer le fichier. Ça prend quelques minutes. D'accord. Bon, moi je coupe. Hein.
Oui. Ça marche. Voilà. Au revoir, merci. Et donc, quand ça a fini, ça te fait un fichier, puis tu me l'enverras, je sais pas par où, WeTransfer ou un truc comme ça. D'accord. Et c'est un fichier en local sur le PC, du coup? Ouais, ça va te mettre un MP4 sur ton ordi. Sur l'ordi, d'accord. Alors, je vais faire arrêter l'enregistrement maintenant. Ouais. Et ça... Et tu verras, c'est quand tu coupes Zoom, en fait, ça se met à. Et que ça se met Non, à télécharger. mais ça peut prendre 5 bonnes minutes. D'accord. Voilà. OK. Donc, c'est juste pour te dire de ne pas l'interrompre, quoi, sinon Interrompre le téléchargement. D'accord. OK, ouais, ça tu perds marche. le fichier, sinon.